Salut tout le monde, bienvenue sur FS Studio France pour cette troisième partie avec le Boeing PMDG 747 version 3, Queen of the Sky 2. Avant d'aller tout de suite dans le cockpit pour faire une procédure Colin Dark avec la checklist Air France que j'ai publiée sur Facebook. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma page, je vous invite à le faire. C'est pas une très grosse page, mais c'est en augmentation. C'est une augmentation constante, on peut le voir ici là, je suis assez content. Donc cette procédure Air France qui m'a été donnée par un vrai pilote de Air France qui est sur Boeing 747-400 depuis maintenant 6 ans, et je le remercie, et je le remercie beaucoup. Voilà, je peux pas dire son nom, vous le comprendrez. On va voir tout de suite déjà cette procédure. Hop, je vais dézoomer un peu. On a le Power Up, on a le Pre-Fly, on a le Before Starting, Before Taxi, Start Taxi, Taxi Out, enfin bref, on a toute la procédure complète qu'on va respecter à la lettre à l'intérieur de notre cockpit. On aura bien le temps d'y revenir tout au long de notre tutoriel. Alors je ne sais pas si je vais faire en plusieurs parties. Est-ce que je vais pas faire un call and arc et puis monter en altitude de croisière et faire après une deuxième partie pour la descente et l'approche, ou si je vais faire complètement en une seule fois, ça dépendra de l'enregistrement et de la taille en fait, de la taille des vidéos, car j'ai pas une très très grosse connexion internet et je mets plusieurs heures voire une journée complète des fois pour un tutoriel à mettre sur YouTube. Donc je ne sais pas. Ou alors il faudra que je tape à droite à gauche chez les amis qui ont la fibre. On va regarder ce que j'ai prévu de faire. Ce que j'ai prévu de faire dans les procédures. Alors, hop, on va dézoomer. Donc c'est moi qui ai fait le PDF hein, depuis le logiciel Chart, Navigraft. Mais j'ai fait un PDF parce que j'ai un petit plugin qui me permet d'afficher les PDF à l'intérieur de P3D et de FSX pour ceux qui sont encore sur FSX. Donc c'est un outil qui est très très bien parce que ça évite de sortir en fait, de retourner sur le bureau pour regarder son PDF ou d'avoir son téléphone ou son iPad à côté, bref, ou pour regarder ses trucs, ses cartes, pardon. Donc bon, moi j'aime bien regarder directement tout sur le même écran. J'ai qu'un seul écran, bon, même s'il est très gros, j'ai qu'un seul écran. Bref, je l'affiche, vous allez voir, comme ça au moins pendant le tutoriel vous pourrez voir la procédure en même temps que je l'applique à l'intérieur du cockpit. Donc ça, c'est, je pense que c'est bien pour vous, et ça l'est aussi pour moi. J'ai prévu. Donc déjà, on sera. On est sur l'aéroport de Dubrovnik. Alors je sais pas si je le dis bien, en Croatie. Parking 20. On va décoller déjà de la piste. Hop là, voilà. On va se mettre déjà sur le plan de l'aéroport. On va décoller de la piste 30. Donc j'ai fait en sorte d'avoir le vent pour décoller de la piste 30, et on va suivre donc l'acide. Je vais zoomer un peu. Hop, l'acide Amugo Alpha Mama Uniform Golf Oscar, ok. Et je ferai un circuit d'attente ici à 8000 pieds. Voilà, le temps de programmer l'approche. Et puis ça me permettra aussi de vous expliquer, parce que si l'avion il trace, on va s'éloigner et on mettra plus de temps à revenir. Donc je vais faire un circuit d'attente, comme ça me permettra de bien vous expliquer la carte, la procédure et puis la checklist. Et puis il faut savoir que bon bah normalement vous êtes deux dans un avion, le copilote lit la checklist et le commandant check. Donc comme je suis tout seul, il faut que je lise
Je check, donc je perds un peu de temps, donc c'est pour ça que je vais faire un circuit d'attente. Et puis en plus, je vais vous expliquer. Bon, voilà. Pour l'approche, donc j'ai mis l'ILS de la piste 12 parce que c'est la première partie de l'approche. Sauf que on n'ira pas faire une approche complète sur l'ILS 12. On va céder de l'ILS 12 pour se caler sur le circling de la piste 30. Donc c'est une procédure que j'ai déjà faite hier, que j'ai plutôt pas mal réussi, et que j'espère refaire en direct, enfin en enregistrement aussi bien. Voilà. Elle n'est pas facile. On va programmer sur le FMC des fixes. Donc fixe sur CV, donc Charlie Victor en 397, on fera un fixe avec une direction de 158, et on fera un fixe sur DBK, Delta Bravo Kilo, et on fera donc les trajectoires R228, R158, bien sûr, et puis R183. Voilà ce qui nous donne à peu près les trajectoires qu'on suivra au HDG jusqu'à insertion du cap 158, donc de DBK, Delta Bravo Kilo. Voilà. Et on fera un virage à 180 par la gauche, avant le rayon des 4,8 nautiques, donc de Delta Bravo Kilo. Voilà. Tout ça, on va le programmer dans le FMC. Alors c'est très 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 similaire au 737NG. Normalement, si vous avez suivi les anciens tutoriels du 737, on devrait vraiment bien s'y retrouver sur le 747. Voilà. Voilà pour l'approche. Pareil, on y reviendra. Je vais afficher en temps réel la carte à l'intérieur du cockpit pour qu'on puisse voir la programmation et la carte en temps réel. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre? Oui, donc vous avez bien compris que c'était pas un plan de vol, un vol complet. Je pense que pour expliquer le fonctionnement d'un avion, enfin du 747 dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'aller à 10 000 km. On va rester sur le même aéroport et il n'y aura pas besoin d'aller à Bab El Oued City. Voilà. Allez, on va tout de suite dans le cockpit du 747 pour une belle procédure Colin Dark. À tout de suite. Ça y est, on est dans notre cockpit de 747. Moi, j'ai hâte de commencer à vous expliquer tout ça. Alors, je vais essayer de, comme dans la première partie du tutoriel, hein, j'ai fait deux vidéos avec des petites indications, avec des carrés rouges. Je vais essayer de faire la même chose pour cette troisième partie. On est donc Dubrovnik, parking 20, Lima Delta Delta uniforme en 747. On va tout de suite commencer la mise en route, sauf que je voulais vous expliquer avant qu'aujourd'hui on va faire une mise en route manuelle. Donc c'est un call and dark et non, enfin c'est un call and dark modifié. Je vais essayer de m'expliquer, c'est que normalement le 747 a deux procédures d'allumage moteur. Il y a la manuelle et l'automatique. Quand vous faites un call and dark via le CDU, vous choisissez call and dark, hein, donc l'avion se réinitialise, éteint tous les systèmes. Et vous êtes en mode call and dark. Par défaut, PMDG prévoit un démarrage automatique, pardon. Nous, on va faire un démarrage manuel. Voilà, je reviendrai plus tard là-dessus. Et comment procéder à un démarrage manuel des moteurs, qui se fait 4 et 1 et 3 et 2 au niveau des moteurs, hein. Donc voilà. On va tout de suite commencer. Je vais vous montrer le petit programme, le petit plugin, pardon, qui vous aide à ouvrir les PDF à l'intérieur de FSX et de P3D. PDF Newborn, que vous pouvez trouver sur Google très facilement. Et si vous avez besoin d'aide pour l'installation, un petit com sur la vidéo, pas de problème, je vous aiderai à l'installer. Ou sur la page Facebook, hein, n'importe, je réponds à tous les messages. Donc voilà, PDF Newborn, on va faire show et on va aller chercher notre document. Voilà, checklist Air France. Contrôle roulette avant pour zoomer sur le document ou roulette pour changer de page, tout simplement. Première partie de notre checklist, le power up.
La première, c'est le circuit breaker, donc qui est au-dessus, pas fonctionnel sur PMDG. Mais ça aurait été bien qu'il fasse un ou deux fusibles qui ne servent pas trop au pilotage, enfin qui ne met pas en danger le pilotage de l'appareil pour qu'on puisse voir en fait quand il ressort, quand il est cassé. Quand il est cassé, il ressort d'à peu près 1 cm, donc c'est un petit, il y a un ressort, hein, boum, il ressort. C'est un peu, ça ressemble un peu au fusible de l'époque, dans les années 80 en fait, hein, si vous avez encore un compteur des années 80 chez vous, j'espère pas, mais sinon vous êtes pas aux normes. Mais bon, il ressort d'1,5 cm, fait un clac assez fort quand ça pète, de façon à ce que les pilotes le reconnaissent très bien en fait, malgré l'environnement sonore du cockpit. Voilà. Donc circuit breaker checké, on va passer en vue commandant. Et on va allumer la batterie. Donc on voit que hein, j'ai déjà les générateurs extérieurs qui sont là. On va en venir après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc batterie on, hydraulique power, standby power, pardon. Auto hydraulique down pump. Ici, off. Windshield wiper, lave-glace, ici, off. Alternate flaps and gear, donc c'est ici, off. Gear lower down, flaps rentrée et l'APU. Alors l'APU, on va le lancer, voilà, mais on va utiliser les générateurs extérieurs, comme ceci. Electronical system, set APU available on. Pourquoi? Air France place l'allumage de l'APU dans le power up. British Airways ou Delta Airlines, des checklists que je connais. Le place dans le before starting. Voilà. Alors, vous appelez Air France et vous leur demandez pourquoi ils font comme ça. Je sais que certaines compagnies ont des checklists différentes, notamment pour le 737, EasyJet, Ryanair ont des checklists différentes. Pourtant, l'appareil est le même. Donc, en tout cas, bon, ça ne met pas en danger la vie d'autrui et à l'aide, le pilotage ne change pas. Voilà. On allumait l'électronical système. Donc, on va aller côté copilote, on va allumer. Alors, je vais vous allumer d'abord l'air conditionné pour que vous puissiez avoir APU bleed. Voilà, on. Isolation pack. Donc, c'est ici. Et les packs en normal. Voilà. Donc, c'est ce que je viens d'allumer. Si vous avez déjà pris l'avion, hein, c'est le courant d'air très frais que vous sentez dans le cou quand vous rentrez vos mallettes au-dessus de votre siège, avant de vous asseoir, vous sentez une climatisation assez froide. Eh ben, c'est ce système-là, pardon. On le basculera en 2-3, en off, et on laissera le 1 en normal pour alimenter le moteur 4 à l'allumage. Voilà. Ça, c'est la procédure de l'allumage manuel du moteur. Des moteurs, pardon. En tout cas, du moteur 4. Après, on passera au 1, et après, on fera le 3 et le 2 en même temps. Pour l'allumage automatique, c'est-à-dire, donc vous avez ici l'allumage manuel, voilà, et l'allumage auto-start. Nous, aujourd'hui, on fera le manuel. Donc, si vous faites par contre, si vous faites l'allumage auto-start, les trois packs sont en normal. Si vous faites l'allumage en manuel, on basculera ces deux-là. Voilà. Alors, je remets. Je retire ça. Et on verra après pour l'allumage. Je reviens en mode commandant. Donc, isolation valve open et le pack en normal. Checklist power up completed. Alors, on va passer tout de suite à la partie pre-fly, le fire protection, donc sur l'overheat qui comprend la vérification du fire, donc anti-incendie, APU, cargo et engine, moteur 1, 2, 3 et 4. Pour ce, on doit pousser le bouton test overheat test, fire overheat test, pardon, ici. Donc, on voit bien que les quatre moteurs sont bien vérifiés, le APU est bien allumé et le cargo qui est juste à la droite de l'APU est correct. Voilà. Passager oxygène, donc il se trouve ici en normal. Le stab trim cutout switches
qui se trouve ici, donc en auto, nav équipement checked, oxygène and interphone ici. Alors je vais essayer de... non, je le vois pas. Et ici l'interphone, c'est ça. Vous l'avez ici, vous pouvez mettre aussi un casque sur la tête avec microphone. Nous ne pouvons pas le tester sur PMDG, mais il fonctionne. FMC 7 check-in. Je vais retourner dans la page principale, menu FMC. Voilà. Crew briefing completed. On va passer sur le EC push button. Donc, qui se trouve. Alors, je navigue ici dans le maintenance panel de l'overhead. Donc, il est déjà en normal de base. Hein, voilà, donc on n'a pas à y toucher. C'est juste pour vous montrer où il est. Si vous avez oublié ou si vous n'avez pas regardé la deuxième partie du tutoriel, hop, je retourne à ma place. On va allumer tout de suite l'IRS. Donc, trois alignements bien distinct sur trois satellites. Voilà la je vais pas réussir à le dire, triangularisation. Voilà, on passe à l'hydraulique système. Donc 7 emergency light ici, armed, audio système à côté, donc normal, interphone switches. On le laisse en off. C'est pour vous montrer, hein. Je touche le bouton, mais c'est pour vous montrer. Anti-ice qui se trouve ici. Donc off. Windows Heat à côté, check on. Yo Damper qui se trouve ici à côté de l'oxygène. Donc check on. Voice Recorder. Alors le Voice Recorder, c'est cette partie-là. Hein. C'est ce qui enregistre l'intégralité de ce qui se passe à l'intérieur du cockpit. Donc boîte noire sonore. Pressurisation 7, air conditioning 7, exterior light win logo, EFI control panel, donc ici 7, mode control panel MCP 7, standby instrument ici 7, speed brake retracted, truss level automanette, voilà, down and closed. Parking brake 7, fuel control switches, cut off, communication. Alors, communication, vous pouvez faire si vous êtes sur IVAO, vous pouvez faire un test avec le ground, hein, contactez le ground et faites un test de communication 5-5. Radar, pas fonctionnel sur PMDG, en tout cas pas avec moi parce que je n'ai pas Active Sky. Ça sera bientôt compatible Rex. Si vous regardez la page du Boeing 747 sur PMDG, quand vous l'achetez, c'est écrit en rouge. Bientôt disponible pour Rex. Not smoking sign. On. Evac signal. Armed. Transponder. SED. Source selector. 7. Clock. Hop, je remets à 0. 7. CRT Selector, donc vous l'avez ici, hein. Vous pouvez choisir l'affichage des écrans. PFD, donc 7, il est là. ND, navigation display, il est là. Autobreak, ici. RTO. EIU Selector, donc vous l'avez ici. On le laisse en auto. HDG Reference Switches. Ici, on le laisse en normal. FMC Master Selector, vous l'avez à côté. Left pour celui-là. Hop. Right ici. Et centre pour celui-là. Voilà. On va le laisser, nous, en automatique. Et Ground Proximity System Checked ici. Pas d'alarme. Pre-fly checklist completed. On va passer tout de suite à l'alignement, enfin au CDU. Hein.
on attend l'alignement, la fin de l'alignement IRS, qui me reste 6 minutes sur le gauche, 6 sur le centre et 6 sur le droite. Je vais couper la vidéo hein, parce que sinon ça va me prendre trop de temps. Puis de toute façon, si on respecte la checklist, on doit attendre l'alignement IRS. Donc je vais juste marquer notre position actuelle. Donc Lima, Delta, Delta uniforme sur le CDU. On va aller page 3. Aller chercher notre position GPS. Revenir page 1. Et l'indiquer à l'IRS. Voilà. On va attendre l'alignement complet et on continuera cette vidéo. Je relance l'enregistrement, l'IRS est bientôt aligné, il reste une minute à peu près, on va attendre, voilà, zéro, on voit bien les nuages hein, qui défilent hein, sur le tarmac, l'ombre, c'est pas mal fait, c'est ce qui manquait à Flight Simulator. Au moins, on sait dans quel sens va le vent. Allez, IRS, aligne-toi. On attend que toi. Alors, je vais allumer la procédure en attendant. Voilà, l'IRS est aligné. Parfait. Show. Open. Voilà, on va prendre le CDU. Donc on va continuer la programmation de notre FMC. Hop. Lima, Delta, Delta uniforme. Runway 30. Hop. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en nom de vol? On va mettre tuto. Allez, le 3. Voilà. On va aller sur départ. On choisit notre piste 30 et on prend la Amugo, un delta, on va faire un circuit d'attente sur Amugo. Donc Amugo, route, alors ouais, en map, voilà, on a bien notre notre seed hein, de sélectionner, on voit bien que c'est exactement la même chose que la carte. On l'active, exécuter, on va aller sur le plan de vol, hold. On sélectionne Amigo, on colle en dessous, donc hop, on voit bien que notre circuit d'attente a été créé, on va le valider, voilà. Si par exemple vous voulez faire un circuit d'attente vers la droite ou vers la gauche, hein, c'est je vous ai juste à changer slash L ou slash R ici. Si là on est en une minute, donc c'est une ligne droite dans le circuit d'attente, hein, c'est une ligne droite de une minute, si vous mettez deux minutes, bah il fera... le cercle s'agrandira de façon à ce que la ligne droite fasse 2 minutes. Voilà, vous pouvez lancer le chronomètre, vous verrez que c'est exactement 2 minutes. Voilà, on va retourner, on va aller sur les références et les performances. Donc on va, oups là, je clique à côté, on va aller sur, on va cliquer donc sur ZWF. C'est un peu pareil que le 737, hein. Enfin je dirais un peu pareil, je dis que c'est exactement la même chose, 737, 737. C'est le même procédé, donc je pense que j'ai pas trop besoin de vous expliquer, puis je l'ai déjà expliqué dans d'autres tutos. Donc ça calcule le poids total, la charge totale de notre appareil. On va mettre 5 de réserve et 75 de cost. Voilà, 8000 pieds pour l'altitude de croisière, donc ça sera 8000 pieds un seul circuit d'attente. Voilà, on va arrêter là. On va régler par contre notre nav. Donc on a, je vais reculer un peu parce que je vois mal la carte. On a une ILS, donc ILS 12 de 110.10 avec un cap de 115. Voilà. Et on réglera le reste après, dans le circuit d'attente, on aura bien le temps. Pour l'instant, on règle que ça. Voilà. Hop, on revient en mode map. Voilà. Je ferme. Enfin, je change de document. Voilà, nous sommes donc au before starting, que nous allons faire tout de suite.
L'hydraulique demand pump. Dans un 747 classique, vous avez une option auxiliaire sur la pompe 1 que nous n'avons pas dans le PMDG. Nous l'avons que sur le 4. Donc je vais être obligé de faire que sur le 4, hein. Je ne peux pas inventer une option que je n'ai pas devant moi. Donc hydraulique demand pompe auto et auxiliaire pour 1 et 4, sauf que nous c'est que 4. Donc auxiliaire 4, auto pompe 1, 2 et 3. Voilà. Break pressure, donc nous sommes bien dans le vert ici, dans le break pressure. Donc break pressure normal, fuel quantity, nous l'avons déjà choisi. Fuel system. X-feed open, alors open pour le 2 et 3 et close pour 1 et 4. Donc si par exemple le X-feed est ici, si je ouvre, je vais allumer le fuel. Alors attendez, hop, j'allume l'écran, j'allume le fuel. Voilà. Si par exemple je ferme les X-feed 1 et 4, voilà, on voit bien les valves ici qui se ferment. Le moteur 1 est alimenté par le main 1, réservoir aile gauche, et le moteur 4 est alimenté exclusivement par réservoir main 4, donc aile droite. Si je l'ouvre, une fois vide, une fois que le réservoir vide ici, le moteur 1 sera alimenté par le main 2. En l'occurrence, il est déjà alimenté par le main 2, le main 1. D'office puisque la valve est ouverte, donc il va piocher, il va dire que le carburant est injecté dans tout le circuit et que le main 1, enfin que le moteur 1 est alimenté par le main 1 et le main 2. Dans la procédure Air France, il demande à ce que le 1 et 4 soient fermés, donc on va fermer le 1 et 4. Alors nous aurons un avertissement, bien sûr, nous aurons un avertissement sur le ACAS. Avec marqué X-feed 1 et 4 closed. Alors, c'est pas parce que vous avez un message en jaune que c'est une erreur. Beaucoup de personnes pensent que parce que vous avez un message jaune, vous avez une erreur. Or, le EICAS vous indique en jaune les choses à laquelle il faut faire attention et pas forcément les erreurs. Donc, si vous avez marqué X-feed closed, c'est pas grave. Pensez à ce qu'il soit fermé et que quand le réservoir est bientôt vide, réactivez le X-Feed. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vais avoir un message tout à l'heure, X-Feed closed. C'est pas important. Il faudrait que je pense à le réouvrir quand les 13,3 tonnes de carburant, parce que je suis en kilos, les 13,3 tonnes de carburant seront vides. Il faudrait que je pense à le réactiver. Voilà. Donc en soi, c'est pas trop grave. Donc X-feed 1 et 4 closed, set breathing on. Voilà, donc c'est la ceinture, hein, c'est le petit logo de la ceinture. Allez vous asseoir, enfin attachez votre ceinture. Notoc, alors le notoc, j'ai pensé à vous montrer ce que c'est que le notoc. C'est un petit document que à qui on donne, enfin, c'est le service ground donne au commandant, ça s'appelle donc NOTOC, Notification to Captain, c'est pour indiquer au capitaine ce qu'on a en soute. Les produits dangereux, si on a des produits dangereux ou des choses comme ça, le commandant a besoin de savoir. Donc, enfin, il doit le savoir. Donc, c'est tout est écrit sous le petit document NOTOC. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vierge ou comme ça, enfin, chaque compagnie a son NOTOC, hein, chaque aéroport a son NOTOC. Bon, c'est pas. Voilà, je voulais vous le montrer avant que vous me posiez la question. On va changer de document. Voilà, donc NOTOC checked. On n'a rien en soute. Je suis vide aujourd'hui. Ship papers on board. Donc il est là. Hein, c'est lié au système ACAR. Performance data. Donc index performance, c'est ici. On l'a déjà checké. LNAV, VNAV 7, DOR, on va aller sur les portes. Alors, je vais retourner sur les portes. DOR, closed. Voilà, maintenant que le ARM s'est allumé en vert, enfin, on voit qu'il s'est allumé, hein, le ARM. Donc, je vais activer le ARM. Voilà, les portes sont armées.
Recall. Donc, Recall, c'est ce petit bouton qui est ici. On va le voir sur le ICAS. Hop, j'arrive pas à déplacer les fenêtres, hein. Je sais pas pourquoi. Il galère. Voilà, donc quand je clique sur Recall, on voit le Recall, hein. Je clique plusieurs fois pour qu'il reste allumé. On voit bien qu'il s'affiche en dessous l'API Running. Voilà, donc là, c'est bon. Engine Display. On va sélectionner l'Engine Display. Voilà. Et le Beacon Light, Bow On, Button. Donc, hop là, vers le haut. Voilà. C'est la petite lumière rouge hein, qui clignote au-dessus et en dessous de l'appareil sous le train et au-dessus du pont supérieur sur le 747. Voilà. Nous sommes donc au Before Taxi. On va procéder à l'allumage moteur maintenant. On n'aura pas besoin de repoussage hein, dans ce cas précis au niveau du parking 20. Donc on allume tout de suite les moteurs. Donc je vais fermer. Enfin, je vais cacher la checklist. Donc, je vous ai expliqué que pour l'allumage manuel des moteurs, on n'avait pas besoin de l'auto-start. Donc, je vais désactiver l'auto-start et allumer. Hop là, à chaque fois, je clique sur ce bouton. Je vais allumer la fonction démarrage manuel, qui est ici. Voilà. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit dans la première partie. Si vous voulez un démarrage automatique, c'est-à-dire comme prévoit PMDG quand vous cliquez sur Call and Dark dans le CDU, vous êtes d'office dans cette configuration-là. Vous devez faire un démarrage automatique, donc avec les packs ouverts en normal. Si vous faites un démarrage manuel comme ceci, vous devez passer les packs là. En off, donc 2 et 3 off. Donc on va passer les packs 2 et 3 en off, tout simplement. Je vais allumer bien, enfin je vais allumer l'ACAS lowers du bas pour que vous voyez bien. Nous avons donc une limite fuchsia, on va dire rose, hein, allez, je vous dis rose. Ça indique les 14% de N2, donc c'est la limite d'injection carburant. Donc si je pousse, donc on va allumer 4 et 1, puis 3 et 2 en même temps. Donc je clique sur le 4, le bouton s'allume, on voit que j'arrive à la limite des 14% de N2, injection carburant. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On entend bien le moteur qui se lance, hein. Donc si vous faites un démarrage automatique, quand vous tirez le bouton, il ne s'allume pas blanc. Il s'allume blanc que quand vous faites l'injection carburant. Là, c'est l'inverse. Quand vous tirez le bouton, il devient blanc. Voilà. On va allumer le 1. De N2, injection carburant. On voit que l'extérieur power s'est éteint parce que nous sommes alimentés, la partie droite est alimentée par le moteur 4. Voilà. Et quand je vais allumer le 3 et le 2, l'extérieur power 1 va s'éteindre. 2, 3 et 2. Voilà. Injection carburant moteur 3, injection carburant moteur 2.
bah, réouvrir notre checklist. Donc on va attendre que les deux boutons reviennent à leur position initiale et éteint. Voilà. Checklist before taxi, APU off, hydraulique demande pompe au loto, anti-ice system 7. Donc ici, nous n'en avons pas besoin aujourd'hui. AFT cargo hit on, recall. Recall checked, ground équipement. Alors nous allons retirer le ground équipement. Et nous allons remettre les packs en normal. Nous sommes prêts pour le roulage. Nous allons configurer avant notre MCP, donc hop, à chaque fois ça me fait ça, voilà. Ça zoom comme ça, mais c'est le logiciel Chassplane hein, qui me fait ça. Je vais juste mettre mon altitude de croisière. Voilà. Start taxi, parking brake. Release. Exterior light. Taxi on. Time to switch start. C'est parti. On passe à la page suivante. Donc, taxi out. Nous avons à régler l'altimètre. Voilà, à chaque fois il se cache derrière. Merci. Et ils m'ont fait un petit rezoom. Voilà. Donc on va baisser juste l'altimètre d'un cran. 29.91. Et nous allons aller régler nos take-off références. Donc volet 10. On va valider notre vitesse de référence V1 rotation et V2. Nous avons à régler les trims. Plus 5.4, donc on va le régler tout de suite. Vous avez les trims, le témoin des trims qui est ici. Alors je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir, mais c'est pas facile parce que sinon j'ai pas accès au bouton. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Donc je vais régler les trims. Donc on a dit 5.4, on est à 6 actuellement, donc le 5 est là. Donc je remonte un petit peu. Donc là, je suis à 5.5, 5.4, à peu près. Hein, on peut pas être non plus être parfaitement bien. Ouais, je pense que je suis pas mal. Je reviens à ma place, à ma vue principale. Alors, les flaps. On déploie les flaps, 10. On regarde le rudder, s'il est bien à 0, ici. On check 0. Flying control, on va vérifier. Alors je vais hop, voilà, et je vais me servir du CRT pour l'afficher devant moi. On va vérifier si tout fonctionne bien au niveau hydraulique. Donc en avant, check, reviens en position initiale. En arrière, check, position initiale. Gauche, check, position initiale. Droite, check, position initiale. Gouverne, check, position initiale. Droite, check, position initiale. Voilà, on revient en vue principale pour le navigation display. Takeoff data, donc nous l'avons fait. Choose limit,
On va vérifier. Donc il fait 14 degrés. Nous allons mettre 24. Donc il va reset le take-off speed. Ce qui est normal. Nous allons mettre moins 15%. Donc nous avons une poussée de N1 de 98,8%. Take-off. Et je reconfirme ma vitesse de décollage. V2 pour 160. Donc nous allons régler ici sur le MCP 160. Comme ceci. Crew briefing completed. Nous allons maintenant rouler jusqu'au point d'arrêt de la piste 30. Donc je vais fermer. La checklist. Et nous sommes prêts au roulage. Alors, je m'aperçois. Sur le Leicas, je vois marqué autostart off. En soi, c'est pas trop grave. Sauf que si vous avez une panne moteur en vol, vous ne pourrez pas procéder au manuel. Donc, pensez à remettre l'autostart. Si vous avez un moteur qui s'éteint, vous essayez de le rallumer en vol, en manuel, ça ne fonctionnera pas. Donc, pensez à remettre l'autostart. Voilà, maintenant on voit que sur le Leicas, l'autostart est bien réactivé. Je procède au roulage, mais à peu près un peu moins de 30%. Voilà, on entend les moteurs qui s'emballent. On voit bien le message sur l'ICAS XFIT config. Vous voyez, il me marque le XFIT config comme quoi mon XFIT 1 et 4 est fermé. En soi, c'est pas trop grave, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est juste un message avertissant qu'il est fermé. Là, pour notre vol, aujourd'hui, nous restons sur l'aéroport. Je ne vais pas utiliser les 13 tonnes de carburant de l'aile gauche et de l'aile droite. Donc, l'XFIT n'est pas important s'il est fermé. C'est pas important. Par contre, si vous faites un long vol, et que vous savez que l'aile gauche et l'aile droite, le carburant va être consumé, pensez à la rallumer, sinon le moteur 1 et 4 va s'éteindre. Si la valve, la valve de carburant est fermée. Hein. Donc, je roule. On va essayer de respecter la vitesse. 15 nœuds. Nous sommes à 14. 13. Hop, je coupe mon micro, hein, je bois une goutte de café. Voilà. C'est convivial comme tutoriel, hein, c'est ça qu'il faut savoir, hein, c'est pas... Magnifique. Vous voyez un peu le logiciel Chassplane, hein. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit HUD qui s'ouvre au milieu de l'écran là. Enfin, où c'est que vous cliquez. C'est plutôt pas mal. Nouvelle génération de programmeurs qui font des logiciels maintenant très design. Moi j'ai commencé sur Flight Simulator, que je vous dise pas de bêtises, dans les années 90, début 90. C'était avant Flight Simulator 95, parce que j'ai testé, j'ai eu Flight Simulator 95
au tout début des ordinateurs, enfin que mon père m'avait acheté un ordinateur et j'avais testé Flight Simulator dans la version précédente de Flight Simulator 95. Vous voyez, hein, c'est pas récent. Je dis pas que je suis vieux, mais j'ai des cheveux blancs déjà. Hop, on arrive au point d'arrêt de la piste 30 et 12. Donc freinage. Je vais rallumer ma checklist. Donc before take-off, check flyer tournant notifiable. Donc là on notifie le personnel de bord que nous allons procéder au décollage. Prepare for take-off annoncé. Exterior light. Taxi off. Strobe on. On va activer le Flight Director et la gestion des automanettes. Voilà. Transpondeur, nous allons mettre un code. Alors si vous êtes sur IVAO, vous avez demandé votre clearance IFR bien avant le code transpondeur. Soit vous le réglez sur le tarmac, enfin quand vous êtes au parking, vous pouvez le régler ici, mais vous pouvez le régler aussi ici. Mais pensez à mettre toujours votre transpondeur en mode Charlie, comme ceci. Faire un petit test qui casse. Donc on voit le test ici qui se met en route. Décidément, j'ai du mal avec les fenêtres à les déplacer. Alors je sais pas si ça vient je sais pas si ça vient du Boeing PMDG, enfin de la donne, ou ça vient de chez moi, mais j'ai du mal à déplacer les fenêtres dans le 747. J'ai pas le problème dans le 737, donc c'est pour ça que je pense que c'est le ça vient de la donne, ou alors je clique mal, je ne sais pas, ou de chasse plane, parce que j'ai l'impression que quand je clique sur la fenêtre, j'ai un zoom qui se produit en fait. Vous voyez là, j'arrive plus à cliquer. Bon bah, voyez, j'ai un zoom qui se produit et ce zoom vient de chasse plane. Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit conflit entre le navigation display, enfin les écrans et le déplacement des écrans quand je vais cliquer dessus et le chasse plane? Peut-être. Voilà. Peut-être à remonter sur le forum d'Avisim dans la section chasse plane. Au transpondeur dans le code 7, n'oubliez pas d'activer le TFC. Voilà. Et nous pouvons procéder au roulage sur la piste pour l'alignement. Alors on va tourner à droite, faire un demi-tour en bout de piste. Je vais fermer ma checklist. Donc là, je viens de supprimer le message avertissant que le X-Feed est éteint. Mais je n'oublie pas qu'il est... Enfin, j'oublie pas qu'il est éteint. Ça, c'est une chose. Vous pouvez allumer, c'est pas dans la checklist, mais vous pouvez allumer le Storm Lumière. C'est comme on veut. Pas mal de pilotes le laissent allumer de jour comme de nuit pour s'habituer à la luminosité du cockpit en fait. Hein. C'est un choix personnel. Moi je préfère sans.
Voilà. Nous sommes prêts pour un décollage piste 30. Donc nous poussons les moteurs 40% de N1. Synchronisation moteur, ok. Toga. Alors ça va très très vite, hein. On n'est pas lourd. 80 nœuds. Vent de face de 294 à 8 nœuds. V1. Rotation. V2. On rentre le train. On va enclencher le pilotage automatique, LNAV et VNAV. On va rallumer notre checklist. Donc, after takeoff, clean check, check gear level. Up and off, autopilot engaging on, LNAV et VNAV 7, flaps retracted pour 1. Donc les flaps, hein, c'est au fur et à mesure que vous montez, hein. Je vous demande pas de... C'est parce qu'il y a marqué flaps up que vous devez mettre flaps up. Hein. Donc la checklist continue à partir du moment où les flaps sont up. Donc, pour l'instant, nous sommes pas en up, on ne continue pas la checklist. Nous arrivons à 200 nœuds. Flaps 1. Donc il faut compter le temps de que les volets se rétractent. Donc nous sommes à flaps 1. Flaps 1 dépassé. Là on ferme le volet complètement. Nous allons être en configuration up. Donc checklist flaps up. Ok. Extérieur light. Nous allons les laisser allumer parce que nous allons pas au-dessus de 10 000 pieds. Fly intendant avisé comme quoi le décollage est effectué. Bon, je pense qu'ils l'ont bien senti, hein. Voilà. Nous allons monter tranquillement jusqu'au circuit d'attente à 8000 pieds. Magnifique, j'adore. J'adore ce logiciel qui propose des vues automatiques. Donc nous sommes à 8000 pieds. La visibilité est pas très bonne. Environ 16 km de visibilité. C'est moi qui l'ai réglé comme ça, hein, donc c'est exprès. Voilà, donc si vous faites un recall, vous voyez que marqué le X-Feed est toujours éteint. Vous voyez, on voit que le moteur 1 est alimenté simplement par le main 1 et le 4 par le main 4. Que le 3
est alimenté par le main 3 et aussi par le main 2, parce que le 3 va chercher comme ça ou comme ça ou comme ça. Voilà, si j'ouvre, là le 4 n'est plus alimenté par le main 4 et par le main 1, et le 1 par le main 1, mais par le centre. Mais je vais le laisser. Je vais le laisser dans la configuration Air France. Donc nous approchons du circuit d'attente. On peut allumer le terrain. Donc le terrain, moi j'ai configuré dans le CDU, hein, j'ai configuré l'option terrain l'eau en turquoise. C'est en option, vous pouvez le faire vous aussi. Je vais tourner autour. Magnifique. Petit box sonore. Voilà, à partir donc de Amugo, nous rentrons donc dans notre circuit d'attente que j'ai programmé à 8000 pieds, virage droite sur 1 minute. Bah écoutez, voilà, je profite d'être dans le circuit d'attente pour couper cette première partie du Colonne d'Arc. Je vais faire le montage et vous publier ça très rapidement. Et je reviendrai pour cette deuxième partie pour l'approche sur Dubrovnik. Programmation FMC de l'approche en circling, ce qui sera pas facile à faire.
J'espère que vous allez réagir à cette première partie. Des questions, j'en voudrais bien. Il n'y a pas de problème, je suis là. Facebook, YouTube, je vous attends. Allez, salut.